Bonjour à tous, vous allez bien mes amis, merci beaucoup les personnes qui abonnent à ma chaîne, merci pour votre soutien. Si vous aimez la vidéo, vous touchez le bouton faire j'aime pour avancer ma chaîne, merci beaucoup votre gentillesse et votre fidélité. Alors, j'ai voulu faire un tirage spirituel pour vous. Quel domaine qui vous êtes un don ou une faculté qui vous êtes besoin de développer, ou soit vous sentez vous êtes tiré vers un domaine professionnel ou carrière ou projet que vous voulez faire, peut-être l'avenir spirituel, ou soit vous êtes dans l'éveil spirituel, vous voulez développer quelque chose spirituel. Vous savez quelque chose qui vous aide, sentez beaucoup, peut-être les choses qu'elle tire spirituelles, vous voulez savoir, est-ce quel domaine pour vous, cette tirage, ça va parler pour les gens qui cherchent spirituel, à savoir quel domaine qui sont capables de développer votre spirituel mieux. Alors, j'ai tiré. Je vais mettre les numéros comme ça, vous choisissez. Le premier, c'est si vous êtes tiré vers les couleurs rouges, c'est le premier. Si vous êtes tiré vers les jaunes, c'est les deux. Si vous êtes tiré vers les trois, les rouges. Si vous êtes tiré vers les quatre, c'est les couleurs vertes. Alors, si vous voulez arrêter les vidéos et choisir tranquille, moi, je commence pour pas faire le long de la vidéo. Alors, je commence avec les premiers. Pour vous, qu'est-ce qu'il parle pour vous, les premiers temps? Qu'est-ce qui vous doit développer vraiment votre domaine et qu'est-ce qui vous êtes besoin de travailler? Alors, excusez-moi, c'est mélangé. D'abord, vous êtes besoin de développer votre faculté. Vous êtes quelqu'un là pour aider les autres, pour soigner les autres, pour prendre soin des autres et pour travailler peut-être soit comme infirmière, comme aide-soignante, guérisseuse, magnétisme, aussi pour les gens qui sont en difficulté, perdre le poids, les gens qui sont besoin de confiance en soi, les gens qui sont perdent la confiance en soi, qui sont pas trop courageux et qui peut-être ils sont qu'ils pas confiance en soi, peut-être qu'ils ont besoin de changer quelque chose, qu'ils doivent peut-être perdre le poids, faire le régime. Vous travaillez ce domaine, c'est bien pour vous, c'est votre domaine qui vous êtes là pour aider les autres, pour donner le courage, la confiance en soi, développer peut-être votre dos, peut-être faire une formation aide-soignante, infirmière, médecin, guérisseuse, si vous êtes dans le domaine spirituel, guérisseuse, magnétisme, thérapeute, c'est possible, ces domaines, ça va parler pour vous. Les gens qui travaillent, peut-être l'esthétique, la beauté, les coiffeurs, aussi, ça peut possible, ça parle quelqu'un qu'elle aime faire l'esthétique ou faire le coiffeur, quelqu'un qu'elle travaille avec les gens, soit, je sais pas comment dire ce nom, les gens qui sont perdus la confiance en soi, changer le look, comment vous habiller, perdre le poids, travailler dans la beauté, travailler dans toutes les choses avec les beautés, soit le visage, soit le massage, soit les thérapeutes, les psychiques. Ça peut-être vous développez ça. Ça, c'est plusieurs métiers que je vois là.
Je vois toutes les métiers, c'est possible, ça parle plusieurs métiers. Alors prenez qu'elle parle pour vous. Il y a encore sa sortie pour vous. Vous êtes là pour aider les autres, les autres qui sont besoin libérer l'énergie. Vous êtes quelqu'un travailler avec les natures. Peut-être les natures, ça va aider. Soit les gens qui travaillent pour les méditations, faire un sport, les gens qu'elles travaillent avec toutes les choses, avec les natures, avec les plantes, avec les plantes, les thérapeutes, avec les plantes, chamaniques, les gens qui travaillent avec l'esprit. Tous les métiers là, c'est pour vous, pouvez cette domaine. Aussi le courage, les forces, vous donnez le courage, les gens, vous donnez la confiance en soi, les gens, et vous pouvez aider les gens qui sont prendre la force, le courage pour avancer son chemin et que prendre les décisions. Vous êtes là pour aussi aider les gens qui sont depuis le côté pardonnés. Pardonner dans le passé, qui sont restés dans une énergie ou dans le passé, qui sont pas sortir d'une situation, qui doit avancer dans la vie. Vous êtes là pour aider ces gens et qui prendre les gens qui doivent pardonner à quelqu'un ou pardonner les passés et pour prendre les soins à eux ou prendre les confiances en soi. Aussi pour aider les gens qui peuvent protéger les gens, peut-être faites une protection sur les gens. Pour vous, vous êtes là aussi spirituel, vous êtes quelqu'un connecté avec l'univers, vous donnez les formations, les messages qu'il vous canalisez les messages par lecture et par peut-être avec les défunts, avec les anges, avec l'univers, vous donnez les formations, les gens qui sont besoin, les conseils. C'est possible, si vous voulez de ce domaine, c'est possible, vous pouvez faire ça. Aider les gens par lecture, par donner les formations, canaliser le message, connecter avec les défunts comme médium, la clairaudience et toutes les choses avec les formations que vous donnez à les autres. Aussi, vous travaillez beaucoup avec la nature, l'esprit de nature. C'est possible, vous travaillez avec les plantes. Soit aussi vous êtes quelqu'un qui travaille avec la loi d'attraction, vous tirez le succès, vous êtes positif, vous êtes à donner les gens le courage pour rester positif et vous travaillez avec la loi d'attraction aussi. Vous êtes quelqu'un, peut-être vous aimez aider les gens pour rester en bonne santé et que vous êtes donné le conseil comment. Il doit manger léger, il doit faire peut-être le sport, prendre soin de eux, confiance en soi. Et peut-être vous êtes là pour aider ces gens aussi. Vous êtes connecté avec les anges gardiens par lecture, par la médiumnité, par les gens qui sont besoin de formation pour la famille ou les défunts, ou soit par son ange gardien. Vous êtes là pour donner peut-être les messages pour les gens qui sont volés, un message, son ange gardien qu'ils veulent connecter, il vient vers vous pour donner les messages à ces gens qui ont besoin d'un message, son ange gardien, ou soit un message des anges. Vous êtes là pour aussi aider les gens qui trouvent le courage et qui trouvent aussi le contact avec les natures, avec les filles, avec l'esprit de nature, aussi le calme pour trouver la paix intérieure. Les méditations, les connexions avec les natures, contact avec les natures, et aussi vous êtes quelqu'un qui beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Vous êtes connecté avec beaucoup la créativité, beaucoup donner les formations, les gens qui sont besoin. Voilà, c'est le tirage pour le premier. Ça parle plusieurs carrières que vous pouvez faire. Soit c'est vous êtes déjà dans ce domaine,
vous faites tout ce qui j'ai dit, ou soit si vous êtes une personne qui a besoin un domaine, soit de soi énergétique, la gratitude, aider les gens, soit comme fermière, qui aime beaucoup aider les gens, qui donne les gens courage, et pour garder les choses positives, vous prenez soin des gens. Et ça, c'est votre domaine que vous voulez peut-être développer, essayer, prenez qu'est-ce qu'il parle pour vous. Il y en a plusieurs métiers. Il y a les gens qui sont, on veut faire un stage, peut-être une formation de beauté. Il y a les gens qui sont, on veut faire coiffeur. Il y a les gens qui sont, on veut aider les gens pour trouver la confiance en soi. Il y a les gens qui sont beaucoup les connexions avec les natures, avec les plantes, qu'elles donnent beaucoup les plantes, utiliser les plantes et les natures pour les calmer l'esprit, pour les gens qui trouvent la paix intérieure, qui sont stressés, pour aider les gens qui méditer dans la nature, méditer avec un groupe pour aider les gens. Par un yoga ou pour trouver la paix, pour trouver la force et le courage. Vous êtes là pour aider beaucoup de gens et ça, c'est un métier général. Prenez qu'est-ce qu'il parle pour vous les premiers temps. On passe au deuxième, quel métier pour vous, quelle faculté vraiment vous voulez développer pour vous les deuxièmes. Les deuxièmes temps, les deux, les couleurs jaunes, celle parle pour vous, les jeunes, les couleurs jaunes. On verra qu'est-ce qu'elle parle pour vous là. Vous êtes beaucoup la connexion avec la vibration et l'énergie. Après, on verra qu'est-ce qu'il y a. Peut-être vous travaillez dans les sports, les gens qui sont, ils bougent beaucoup. Que vous êtes un coach de sport, aider les autres pour les volontés, pour avancer. Et plus, vous êtes quelqu'un qui connecte beaucoup avec les vibrations des autres. Vous êtes quelqu'un qui aide les autres pour l'énergie, pour trouver la confiance, pour faire le sport, pour faire une activité ou faire quelque chose, soit un sport, le fitness, les vibrations énergétiques. Vous êtes quelqu'un pour encourager les gens, pour donner les gens le courage, pour un changement énergétique, pour sortir une énergie, peut-être énergétique, pour l'harmonie, les relations et pour trouver la confiance à vous et pour changer l'énergie et pour faire le sport, pour faire peut-être l'harmonie, les relations avec les autres et pour sortir un conflit, le conflit avec les autres, le conflit, les gens qui sont beaucoup dans le stress ou beaucoup de conflits dans le couple ou soit dans l'énergie que vous sentez stressée ou sentez besoin libérée par le sport, par la méditation, par le yoga. Peut-être vous êtes quelqu'un qui pouvait aider les autres pour enlever le stress, enlever les colères, enlever les disputes ou les problèmes familiaux, pour aider comme un coach, comme un thérapeute, pour aider les gens qui donnent le courage pour avancer, pour les volontés, pour trouver son chemin spirituel. Vous êtes là pour aider ces gens. Vous êtes aussi quelqu'un qui aide les gens, qui développe beaucoup la clairvoyance, la médiumnité, l'énergie, la claire, comment dire, clair sentant, les gens qui sont beaucoup les vibrations, qui sont connectés avec l'énergie des autres et qui sont peut-être dans les enfants qui sont en difficulté, exprimer les colères, exprimer les disputes qu'ils discutent beaucoup, ou soit les enfants qui sont beaucoup fatigués, qui sentent l'énergie, qui sont comme l'éponge, qui sont très fragiles, l'énergie,
qui sont peut-être déjà jeunes, qui sentent les choses, qui sentent l'énergie, qui sentent l'aura des autres, qui sentent le stress des autres, qui sentent le conflit des autres, qui sont besoin de l'aide. Vous êtes là pour développer un domaine, cette côté, votre faculté pour aider les enfants qui sont stressés. Ou soit c'est vous, vous sentez l'énergie des autres, vous sentez les colères des autres, vous sentez tout, vous êtes déjà, peut-être votre jeunesse, vous sentez déjà les choses et qui vous avez, vous savez pas, vous êtes peur de parler ça et vous êtes besoin vraiment libérer votre chakra, chakra de cœur, besoin peut-être écouter l'intuition que vous voyez, vous êtes là pour travailler avec lumière, vous travaillez avec les divins, vous travaillez pour aider les autres, pour faire un énergétique, nettoyage énergétique, les Reiki, guérisseuses, pour aider les autres qui sentent, vous sentez beaucoup l'énergie des autres, vous sentez beaucoup la difficulté des autres, le conflit des autres. Vous êtes besoin de travailler, écouter votre cœur, écouter votre intuition, vous êtes là pour aider les autres, pour donner nouvelle, libérer l'énergie et pour aider les autres pour trouver la confiance en soi. Et peut-être vous travaillez avec les enfants qui sont en difficulté, qui sont très colères ou sont toujours les discutent avec les parents, qui sont besoin d'une personne, un coach, un conseil, un thérapeute, un psy, quelqu'un qui aide pour sortir une énergie que vous sentez beaucoup très fort, l'énergie des autres, besoin de développer votre faculté pour aider les enfants ou soit les gens qui sont en difficulté avec les enfants qui sont très, très, toujours en colère, très nerveuses ou les gens qui, les enfants qui sont très fragiles, l'énergie qui peut-être qu'ils pleurent beaucoup, qui sont pas compris. Pourquoi ils sentent ça? Peut-être les enfants qui sont déjà éveillés, quelles sont l'énergie qui ne comprend pas, qui sont connectés avec l'éclairaudience, l'éclair, comment dire, l'éclair, clair-sentant. Vous êtes fragile, l'énergie des autres, peut-être vous devez développer cette faculté ou ce don que vous êtes déjà. Peut-être votre jeunesse, vous êtes venir ici pour aider les enfants qui sont problèmes avec les parents, problèmes l'école, problèmes de quelque chose. Pour un changement pour vous, vous ressentez beaucoup les synchronicités, vous essayez d'écouter votre intuition, vous sentez beaucoup la vibration, besoin d'ouvrir votre cœur, votre chakra des cœurs. Besoin d'écouter les messages, écouter l'énergie des autres, les vibrations des autres, besoin de connecter et demander les conseils, les anges, les conseils univers, choisir un domaine, peut-être pour vous, c'est les domaines qui vous travaillez avec l'énergie, la clairaudience, la clairsentence, la clairconnaissance, les gens qui sont beaucoup les synchronités, qui reçoivent beaucoup les synchronités, qui sont besoin, offrez votre cœur pour recevoir beaucoup de messages. Vous êtes là pour aider les enfants qui sont besoin, sortir les colères, sortir les fragilités, ou qui sont beaucoup les dons, beaucoup les facultés, qu'ils ne savent pas quel domaine. Vous êtes là comme un coach, ou un thérapeute, ou un psy, ou une personne qui veut aider les autres. Qu'il confiance et soit prendre les confiances pour les gens qui sont peut-être pas confiance en vous, peut-être ils sont beaucoup les connexions, qu'ils sentent beaucoup les choses, mais qui sont peur ou qui sont angoissés et qui gardent tout intérieur, qui sont besoin, les communications, besoin d'un thérapeute ou besoin d'une personne qui est un guide ou une personne qu'elle sorte cette situation, qu'elle n'arrive pas confiance, les messages qu'elle reçoit. Vous êtes là pour aider ces gens. Voilà les deuxièmes temps. Merci beaucoup. Je passe troisième temps. Quel message pour le troisième temps?
Le troisième. Alors, le troisième tas, c'est le rouge. Si vous avez choisi le rouge, et le 3. Alors, le troisième tas, vous êtes quelqu'un qui est là pour. Qu'est-ce qui vous doit, quel domaine que vous êtes besoin de travailler? Vous êtes déjà beaucoup spirituel. Vous recevez beaucoup la recherche, beaucoup la guidance, univers qu'elle voit beaucoup le message. Vous êtes là pour aider les autres pour monter à une difficulté. Une difficulté, un obstacle de passer, quelque chose qui doit lâcher prise, quelque chose dans le passé. C'est les gens qui sont en difficulté à pardonner le passé ou qui sont un problème de passé et qui sont dans une difficulté. Vous êtes là pour aider ces gens qui sont en difficulté et qui vous êtes là pour vraiment faire le miracle. Faire le miracle pour les gens qui sont vraiment une difficulté sortir. Vous êtes quelqu'un aussi, vous pouvez tirer les miracles de nature. Vous êtes connecté avec les natures, connecté avec toutes les natures, les soins énergétiques aussi, ça parle, les gens qui sont en difficulté dans le passé pour monter l'obstacle. Vous êtes là pour aider ces gens pour trouver nouvelle confiance et pour sortir cette joie et l'énergie de les miracles avec les natures. Pour moi, c'est si vous êtes soit la méditation, soit le yoga, soit vous êtes quelqu'un qui aide les autres par les natures, par les connexions avec les natures. On verra avec les cartes, les autres quatre. Les cartes patientes, vous êtes quelqu'un beaucoup les patientes et aider les gens qui soient, écouter les gens qui sont en difficulté, confiance en soi, soit amoureuse, soit professionnelle, qui sont en difficulté, communiquer ou parler avec les autres parce qu'ils ne sont pas confiants en eux, parce qu'ils passent un difficile dans sa vie. Dans le passé, soit professionnel ou soit sentimental, qui sont toujours tombés dans l'obstacle, dans le professionnel, ou soit qui sont un karma, qui a besoin de libérer ce karma. Et ces gens qui ont besoin de travailler les karmas, changer quelque chose, les choses qui bloquent l'obstacle, les difficultés qui sont trouver dans sa vie, dans l'obstacle. Vous êtes là pour aider ces gens qui ont besoin de sortir un karma qu'ils répètent toujours et qui sont arrivés pas à avancer pour donner à la confiance à ces gens spirituels et qui ont besoin de travailler avec lâcher prise parce que ces gens qui ne sont pas beaucoup lâcher prise et qui doit travailler, ou soit c'est vous travaillez avec Archange Michael pour libérer les relations toxiques ou les karmas ou les liens forts avec les passés ou les choses qui vous êtes peut-être aidé les gens pour travailler sur eux, sur les karmas de passé. Et aussi, vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup avec les cristaux. Peut-être vous êtes un thérapeute, vous faites un soin avec les cristaux, avec les pierres, avec toutes les pierres. Vous faites un soin énergétique, vous libérez les karmas des autres. Vous êtes quelqu'un qui pouvez aider les gens par les cristaux, par travailler avec lâcher prise, les passés. Par la confiance, par pardonner le passé, pour tourner les pages et pour travailler avec Archange Michael et Archange Raphaël, qu'ils vont votre guide spirituel, qu'ils vont aider pour aider les gens à libérer le karma
libérer l'énergie toxique avec les pierres, avec les cristaux, avec les soins énergétiques, avec les reiki. Vous êtes là pour aider ces gens qui sont en difficulté en karma. Vous êtes quelqu'un, beaucoup la sagesse, vous êtes quelqu'un pour donner la confiance à les gens et pour les gens qu'ils commencent à voir avec la sagesse, pour engager professionnel et pour trouver quelqu'un bien, pour doit libérer le passé, libérer le karma du passé et pour trouver un nouvel engagement avec quelqu'un sage, avec quelqu'un qu'il dit la vérité ou quelqu'un sincère, soit professionnel ou sentimental. Vous êtes là pour aider ces gens qui sont en besoin à un coach ou à un thérapeute ou à une personne qu'il aider pour libérer les karmas, pour trouver le vrai l'amour, pour trouver un nouvel travail qui est un travail vraiment engagé, stable et sincère. Et pour trouver aussi le respect. Il respecte pour les gens qu'il doit trouver le respect pour vous. Excusez-moi, c'est pas pour vous, c'est vous doit donner à les gens la confiance qu'ils prennent le respect pour eux et pour faciliter et pour l'harmonie, l'énergie et l'harmonie à un karma de passer à une énergie toxique, à un lien avec le passé, avec les difficiles, avec les obstacles professionnels ou les obstacles sentimentaux. Vous êtes là pour aider ces gens. Votre faculté, vous êtes quelqu'un besoin peut-être aider les gens par les cristaux, par les pierres, par les reiki, nettoyage, faire un nettoyage, libération, les karmas, libérer les choses pour les gens qui sont dans l'obstacle, pour lâcher prise le passé, pour sortir un stress ou par les chemins qui sont toujours répétés les mêmes chemins et qui sortent un karma difficile. Voilà, c'est votre domaine pour aider ces gens. Si vous êtes envie de faire ça, ou soit vous êtes déjà ce domaine. Le troisième, vous êtes déjà ces domaines. Ça parle peut-être les gens qui sont déjà professionnels, qui sont déjà ces domaines. Si vous n'êtes pas encore, vous êtes besoin de développer votre faculté pour aider les gens. Utilisez beaucoup les pierres, ça va aider pour libérer l'énergie des autres ou pour travailler les karmas des autres qui sont besoin d'une libération de karma. Voilà, ça c'est le tirage. Qu'est-ce qu'il y a à votre faculté et quel don que vous devez développer? Et si vous êtes éveillé, alors là c'est une carte qu'elle parle de chakra troisième œil. Besoin libérer votre clairvoyante, besoin libérer l'énergie de vous voyez peut-être, vous êtes quelqu'un à une faculté, vous voyez l'aura des autres, l'aura des autres, l'énergie des autres. Vous êtes quelqu'un aussi connecté beaucoup avec l'univers par les messages, par les canalisations. Vous êtes là pour aider les gens qu'ils doivent libérer la vie intérieure. Pour trouver qu'est-ce qu'il y a dans la vie intérieure, quel blocage pour aider les gens. Vous recevez le message par la canalisation, par l'aura des autres, par les gens qui sont problèmes avec le passé, une expérience de passé ou un problème, la vie intérieure qui doit régler. Régler le problème de la vie intérieure. Et que vous êtes là pour aider ces gens, et par lecture, par écrire, par canalisation, par l'énergie, vous voyez l'aura des autres. Si son besoin de nettoyage ou une purification, vous voyez déjà l'aura des autres.
Vous êtes la clairvoyance ouverte chez vous, énergétique. Vous sentez déjà les choses. Vous êtes beaucoup les visions. Vous recevez beaucoup les flashs, les visions. Vous voyez déjà la vie intérieure des autres avec votre clairvoyante. Alors, si vous savez déjà, doit travailler ça, vous pouvez donner une formation légère comme ça. Ça sortait deux fois les clairvoyants. Vous êtes quelqu'un qui connecte avec l'énergie, qui a besoin de motiver si vous voulez faire une formation pour apprendre plus clair et pour confiance votre faculté. Peut-être vous devez voir quelqu'un qui a déjà l'expérience, ou soit vous êtes commencé à écrire le message qu'elle vient par la canalisation et vous donner les formations à les gens. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a une clairaudience aussi ouverte pour vous, pour aider les gens, pour écouter les autres et pour donner le message par la canalisation, par écrit, par les divins, vous transmettre les formations pour les autres. Vous êtes quelqu'un qui voit peut-être aussi la vie intérieure des autres. Vous êtes votre clairvoyance, vous êtes beaucoup les visions, vous êtes là pour aider les autres, vous êtes éveillé spirituel, vous voyez beaucoup les choses claires, vous êtes là pour aider les gens, pour trouver la confiance et pour donner l'amour et pour libérer une vie de passé ou un problème de la vie intérieure. On verra après qu'est-ce qu'elle parle. Ça parle beaucoup de messages pour vous. Ça parle deux fois la clairvoyance pour moi. Vous êtes déjà clairvoyant si vous ne savez pas. Alors, vous êtes là pour aider les gens, pour libérer les chakras. Les gens qui sont un problème de passé ou soit la vie intérieure, besoin vraiment travailler avec les gens par libérer les chakras racines, pour les gens racinés, pour trouver la confiance, pour exprimer, pour sortir un problème de passé, une expérience de passé. Vous êtes là pour peut-être faire un nettoyage de chakras parce que vous voyez l'aura. Et comme vous voyez l'aura, pour moi, vous pouvez aider les gens, libérer les chakras. S'il y a un blocage, les gens qui sont bloqués, chakras racines ou tous les chakras, vous voyez déjà l'aura. Pour moi, c'est quelqu'un qui pouvait travailler avec les chakras pour équilibrer les chakras et équilibrer la vie intérieure. Vous êtes connecté avec Archange Raziel, c'est toutes les choses qui dans le passé, toutes les choses que la vie intérieure, vous travaillez avec Archange Raziel, c'est toutes les choses qu'avec deux fois ça sortait, deux fois sorti Archange Raziel et le compagnie pour les clairvoyantes pour vous. Il y a Archange Métatron. Archange Métatron, c'est pour les chakras, équilibrer les chakras. Votre domaine, peut-être vous devez développer votre faculté pour les chakras. Travailler avec les chakras pour aider les gens, libérer les chakras, aider les gens qui sont en difficulté, un problème de passé, l'expérience de passé, pour trouver l'équilibre, les chakras. Métatron qui travaille avec les chakras. Vous êtes connecté aussi avec l'amour divin. L'amour divin, c'est que vous êtes connecté avec les saintes, soit les Vierges Marie, soit une sainte qui accompagnait pour votre clairvoyante, qu'elle pouvait aider pour elle voit beaucoup les visions, beaucoup les flashs, qu'elle travaille avec Archange Raziel. Alors, les anges. Les anges, qu'est-ce qu'ils les anges pour vous? Aussi, vous êtes là pour peut-être aider les animaux, pour donner un message les animaux. Vous êtes là que vous aimez beaucoup les animaux, compagnie, peut-être occuper les animaux. Ou soit vous êtes canaliser beaucoup le message pour les animaux.
ou soit vous êtes une personne qui travaille avec les animaux comme vétérinaire ou quelqu'un qui soigne les animaux. C'est possible aussi, ces domaines, c'est possible, vous pouvez travailler avec les animaux. Et vous êtes aussi quelqu'un qu'elle aide beaucoup les gens, qu'elle prend les confiances, qu'elle connecte avec les sources, qu'elle connecte avec l'univers, qu'elle reçoit beaucoup de messages pour les autres par lecture, par écrire et les canalisations et transmettre les formations. Et peut-être vous travaillez aussi avec les animaux, des phares, les animaux qui communiquent avec les animaux. Si vous êtes peut-être en contact avec les animaux, les communications avec les animaux. Vous êtes connecté aussi avec l'univers et avec les défunts, ou soit les défunts, les animaux, vous êtes connecté. Peut-être vous devez donner le message pour les gens qui sont perdus un animal, ou soit vous êtes connecté avec les défunts, vous êtes aussi la médiumnité ouverte pour vous. Vous connectez avec les saintes, avec les défunts, avec les animaux, peut-être les animaux défunts. Vous pouvez travailler avec les animaux, peut-être aider les animaux qui sont un problème, la santé, peut-être le problème, besoin, peut-être aider pour communiquer avec les animaux, qu'est-ce qu'ils veulent. Vous pouvez travailler avec les gens qui sont besoin d'équilibrer les chakras par le yoga, par nettoyage, travailler avec Archange Métatron pour équilibrer les chakras. Vous êtes là pour aider les gens qui sortent d'une expérience douloureuse dans le passé ou à une vie antérieure. Voilà. Voilà, c'est Thérèse. Je trouve beaucoup riche pour les gens qui choisissent égal quel numéro. Ça parle beaucoup la richesse spirituelle. Et prenez qu'est-ce qu'elle parle pour vous. Peut-être ça parle pas tout, mais prenez qu'est-ce qu'elle parle pour vous. C'est très très important ce message. Et pour moi, je trouve très très riche. Et beaucoup de gens peut-être, et ça va parler à pour beaucoup de gens qui sont cherchés spirituels, qu'ils veulent savoir vous êtes quel don et quelle faculté qui pouvait aider les autres. Ou soit vous n'êtes pas confiance en soi, et peut-être besoin de soutien, besoin d'avoir quelqu'un qui a un sage, quelqu'un qui explique. Vous êtes vraiment doué pour cette faculté, vous êtes un don qui pouvait aider les autres. Quel domaine, elle explique, la dame, peut-être un médium, un sage, une personne qui a beaucoup d'expérience et qui connaît beaucoup les domaines. Si vous êtes faire un tirage personnel, ça va parler plus pour vous parce que vous êtes, le tirage, c'est pour vous. Et après, ça parle pas pour tout le monde, ça parle seulement pour vous. Là, c'est tirage général, ça parle à quelqu'un ou ça parle pas à quelqu'un. Ça dépend de votre situation. Voilà, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont nouvelles abonnées à ma chaîne, mes soutiennent ma chaîne. Merci beaucoup encore. Et votre gentillesse, votre fidélité. Au revoir. Bonne journée, mes amis. À bientôt.